Voilà, c'est le terme. Voilà, c'est un bon terme. Ils ont fait le job. C'est des professionnels. C'était notre cinquième match en 14 jours. Donc on a senti un petit peu de fatigue physique et mentale en deuxième période à 4-0. On a eu du mal même à démarrer, je trouve. On a eu du mal à trouver le bon rythme dans ce premier quart d'heure face à une très bonne équipe de Marseille. Déjà, j'aurais pu commencer comme ça. Je connaissais pas mal de joueuses puisque je les ai connues à Clairefontaine, Sandrine, Caroline, Charlotte. Donc c'est il y a des bonnes joueuses. Asseli a fait un très bon match. Il y a un gros mental, il y a une bonne organisation défensive. Donc c'était pas facile. Et nous, on manque un peu de fraîcheur physique et mentale dans la circulation du ballon. Heureusement, on l'a trouvé au bout d'un quart d'heure. On a réussi à concrétiser notre domination. On vous a vu par moment mécontent sur le banc de touche. Oui, parce que c'est sur le plan technique. Ce qui me gêne, moi, c'est qu'à un moment donné, on doit malgré tout, on est l'Olympique lyonnais, montrer une meilleure image de notre niveau technique. On l'a fait dans la Coupe d'Europe. Elles ont fait deux super matchs vraiment sur le plan technique, individuel et collectif. Et là, ce soir, je le répète, en exigeant, c'est normal. Aujourd'hui, nous, il n'y a qu'un mot qui existe dans notre vocabulaire à l'Olympique Lyonnais, il n'y en a qu'un, c'est gagner. Et quand il faut tout gagner, obligatoirement derrière, il y a un autre qualificatif, c'est l'exigence. Donc dès qu'on est un peu moins exigeant, on peut avoir du relâchement, alors regardez, on prend un but. Hein. Voilà. C'est le premier but que vous prenez en championnat cette saison ? Ouais. Certaines de vos joueuses disent que vous avez horreur, la haine de prendre ne serait-ce qu'un but. Est-ce que vous êtes là Oui, un petit peu. Je le répète, plus de ça, c'est Wendy. Donc Wendy est tellement professionnelle, est tellement sérieuse, elle revient de blessure. Franchement, je ne peux pas l'incriminer, ça serait pas normal. Mais intérieurement, oui, j'aime pas ça. Ouais. Merci. Merci. Okay. Une dernière petite question. Ouais. Est-ce que vous pensez avoir l'équipe la plus complète pour affronter d'autres équipes en Champions League ? Aujourd'hui, j'ai du mal. Déjà, du mal à trouver une stabilité au niveau de l'équipe parce qu'il y a eu tellement de blessés en retour de sélection, retour des JO, retour de sélection au mois de septembre. Donc, beaucoup de blessés. Donc, pas de préparation non plus. Donc, des nouvelles joueuses. Donc, il faut arriver à. C'est pour ça que depuis cette série-là, je mettais l'accent sur l'aspect collectif. Et c'est ce qui m'a un petit peu gêné sur ce que j'expliquais avant, parce que c'est difficile déjà. Il faut que je trouve une stabilité dans l'équipe, dans les joueuses, pour qu'ensuite on puisse parfaire notre collectif. Mais oui, quand j'espère que il y a Gris Jimbock qui est blessé, il y a Claire Lavogier était malade, Elodie Thomas blessée, Kenza Abdali blessée, Aurélie Cassie blessée. Mais bon, là, il y avait un bel effectif. Hein. Je pense que c'est plus au niveau de la fatigue. Voilà. C'est-à-dire que sur les 4 matchs que l'on vient de faire. Ou les 5, on va dire, il y en a eu un moyen contre Saint-Etienne, 3 bons, et là un moyen plus, mais parce que Marseille a été bon, puis je pense qu'on est 5 matchs en 14 jours, il y avait un peu de fatigue. Ouais.